On va aller faire un petit tour au circuit des mangroves. Donc, par ici. Pour venir jusqu'ici, c'est pas compliqué. On peut même venir avec des petites voitures. Là, vous voyez, il y a deux véhicules qui viennent juste débarquer. C'est pas des gros 4x4, hein. Ce sont des minibus. Donc, voilà, c'est pour vous montrer l'état de la route et avec quoi on peut venir ici, c'est pas très compliqué. Donc voilà. Sinon ici, il y a le circuit des mangroves. Et c'est ça qu'on va essayer de voir ensemble maintenant. Donc ça c'est une route. Ça marche pour pouvoir accéder au... En haut pour pouvoir monter et redescendre du côté de Saint-Augustin. Donc c'est la route qu'on prend généralement les gens parce qu'il faut contourner tout. Il y a de l'eau hein, dans les mangroves, donc il faut contourner tout ça parce que maintenant c'est derrière nous ici le village de Sarodan, donc ils doivent faire le tour ou prendre la pirogue ou c'est une marche, ils commencent ici et remontent et voilà, c'est pas très compliqué. Voilà, on arrive mangrove maintenant, c'est la marée basse, mais sinon quand pendant la marée haute l'eau arrive un peu jusqu'ici, donc les mangroves se portent bien ici, ils sont bien verts même en cette période parce que là on est en hiver, donc les arbres sont encore moins, sont généralement moins verts en cette période à Madagascar, mais bon voilà, on voit quand même la trace de la période hivernale sur les feuilles, mais sinon en gros ça se passe bien. Donc voilà, l'eau arrive jusqu'ici, donc ici il y a plein de crabes, il y a plein de poissons, il y a des langoustes, il y a les tsabibi, une espèce de poisson qu'on mange pas en fait généralement dans le sud, mais qui vivent généralement dans les mangroves. Et quoi aussi, il y a quelques anguilles. Donc voilà, les mangroves se reproduisent eux-mêmes très vite. C'est-à-dire que, attends, on va voir comment c'est. Ils ont des graines. Je vais vous en montrer, je pense qu'ici à Nora. Bon. Allez. Montrez-vous les graines de mangroves. Bon, pour le moment, j'en trouve pas. Ne vous inquiétez pas, on en trouvera parce qu'en cette période, il y a toujours, voilà. Donc, les mangroves, il y a ça. Cette espèce de graine. C'est un peu quand on les regarde comme ça, c'est un peu comme les vanilles, hein. Mais bon, rien à voir. On peut pas les bouffer. Donc, voilà, c'est comme ça. Graine de mangrove. Et, à un certain moment, ça c'est plus jeune. À un certain moment, ça tombe. Parce que c'est mûr, et quand ça tombe, ça se plante tout de suite. Et là, je vois pas de bébé, mais ici, on en trouve pas mal. Donc, ça tombe tout droit. Et si c'est pas emporté par l'eau, c'est tout, ça donne tout de suite un bébé mangrove comme ça. Et ça continue. Ça sont des graines, graines, graines. Tous les bébés mangroves, en fait, c'était des graines qui tombent. Et voilà, pour planter les mangroves, ça va élargir. Oh! Remettre en état une forêt de mangrove, ben il faut récolter les graines mûres et les planter, et c'est pas compliqué, on n'a même pas besoin de faire un trou, il suffit juste de l'enfoncer dans la terre et dans le bout hein, et ça pousse. Donc voilà, ici on voit bien les bébés mangroves qui sont partout. Après voilà, la mangrove se plante là où l'eau est calme, ou bouge pas. Parce qu'à partir du moment où l'eau bouge, quand il y a des canaux par exemple, qui bougent et qui amènent, ou des déversements ou quelque chose comme ça, ça crée un chemin naturel parce que tout ce qui est graine, qui tombe, ça peut pas se planter, mais c'est remporté par l'eau qui bouge. Et voilà, et ça laisse un vide au milieu. Ici, il n'y a pas de vide parce que voilà, c'est très dense. Mais à un certain moment, il y a un vide parce qu'il y avait là plus loin,
Il y a une espèce de chemin parce qu'il y a de l'eau qui se déversait d'en haut. Donc voilà, on va s'intéresser par rapport à ce qu'il y a ici. Donc voilà les mangroves. Dans certains endroits, on utilise ça pour des bois de chauffe parce que c'est un arbre comme l'autre. Il y a un tronc qui peut devenir plus grand, ça dépend de la taille, de l'âge de l'arbre. Et parfois, les gens utilisent. Ici, on voit bien plusieurs graines mûres. Donc ça, si on les récolte et qu'on les plante, ça se plante facilement. Je prends un exemple, ça c'est mûr parce qu'il suffit de le toucher, ça s'enlève. Si je mets comme ça, c'est tout. Ça se plantera. Donc voilà. Très facile. La restauration de la forêt des mangroves, c'est un gros boulot dans le monde. Il y a de gros financements, il y a de gros bailleurs, il y a plusieurs gens qui se battent parce que depuis des années, il y a des forêts de mangroves qui disparaissent pour multiples raisons. Mais après, voilà, c'est pas non plus quelque chose d'impossible à faire. Mais bon, voilà, il faut du temps, il faut de l'expérience, il faut des engagements pour faire repousser tout ça. Il faut de la plaidoirie auprès de la population locale. Donc, c'est tout un job. Mais voilà, pour dire juste que c'est possible, mais avec tous ces prérequis. Donc, quand l'eau revient, on va monter sur un bateau tout à l'heure et je vous montre à peu près ce qu'il y a entre les mangroves. Allez, on fait descendre le bateau. Voilà, le bateau est à l'eau. Mais les gens ici mangent pas les algues à mal. C'était qui nous le dire, hein, Christian? À mal. À mal. Ah, mais c'est bon. Mais c'est mieux là-bas? C'est mieux là-bas. Ah, c'est des maro mal. Ah. Ah, crabe, c'est un maro. Ah, crabe. Crabe, c'est très vrai. Mais c'est très vrai, quoi? Notre bateau est très grand. Je pense qu'il y a assez d'arbres. Les mettre les comment ça les affaires non? Il va là 2 secondes, il pensait qu'on...
Le retourne est très vite. Ah, tu vois. Ok. On est dans le village de Sardouane. Ça, c'est l'école primaire. Oui, pour prendre les collèges, ça, c'est Augustin. Ah, Saint-Augustin, ici, le collège. Je connais cette bouche ici. Ils avaient comme deux ans, mais après qu'ils sont payés, ils ont demandé un petit zéro. Ici, ils m'ont dit, parce que tu n'as pas ça qui est là, tu arrives à m'en dire, c'est ça qui se marie, donc vous m'en demandez à l'école, vous m'en dites à tous. Ah! Je n'ai pas choix. 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 Ok. Ah, mais alors, on trouve ça sur ce noté le stick là, si on voit un bazar. Ah. Ah, soit. Accord, non, da. On fait les rings, hein, et c'est pour sécher. Hein? Ouais, on va laisser ça. Oui. Donc, ici, c'est la maison de stockage commune des algues. Et c'est les matériels, en fait, pour les gens aussi qui travaillent dans ce domaine. C'est un projet PPP financé par le fonds allemand KfW. Voilà, c'est fermé. Il y a des techniciens sur place qui vivent ici pour aider les gens à bien produire et tous les récoltes sont directement en Chine. C'est pour faire de la gélatine qui va être utilisée dans des produits cosmétiques ou des produits consommables hein, comme les yaourts et tout ça. Avec 800 habitants autour et pour tout, Sardouane est connu aussi pour ses dunes. Là. Là on est à peu près à 400 mètres de la rive, donc pour voir une vue 360. Derrière nous c'est le village de Sardouane, pardon. Voilà. On est avec Berthaud, notre spécialiste, et Christian, notre skipper aujourd'hui. Thank you.
les dunes de Sardan. Ils s'occupent de leur algue là. Cocotier des Filaos. Donc pour la petite histoire, le Marin s'allonge jusqu'à l'intérieur, ça passe par Andata et c'est sur 200 km hein, encore vers l'intérieur. Il y a des années, il y a des millions d'années, il y avait de l'eau. Pourquoi? Parce que quand on fait ça, on se rend compte que sur ces pierres, il y a des traces de coquillages dans des endroits où on est des centaines de kilomètres de la mer et où il n'y a pas de traces d'eau les 100 dernières, voire 200 dernières années. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez fascinant parce que quand on trouve, il y a des souches de pierres qui sont imperçables, même avec des machines compliquées et qui sont plus dures que le béton. C'est quand même assez hallucinant et fascinant. Et voilà, quand on parle de Sarudjan, on a ces espèces de dunes qui changent parfois des formes à cause du vent. Il y a quand même pas mal de vent ici. Mais voilà, c'est... J'aime bien, je trouve que c'est très joli. Et comme je disais, on est toujours entre la mer qui est de ce côté et les mangroves. Et on a ça, ce genre de sable. Donc voilà, ce sont des sables très fins. Je vous montre. On va essayer de passer par là. Et on a ces espèces de cactus qui sont partout ici, que ce soit en bas ou quand on monte sur les montagnes. On a ce genre de dune sur 4 km, ce qui est assez hallucinant jusqu'à la pointe de cette espèce de langue, de presqu'île. Donc à la pointe, c'est le village de Sarudjan. Et nous, on va essayer d'y accéder. Là, je marche un peu pour voir, pour sentir les sables, marcher dedans, c'est quand même sympathique. Mais est-ce que c'est sympathique de faire ça en moto? Donc voilà, on peut continuer. Sinon la moto est passée par là. Là, la trace. Donc Sarudjan est vraiment sympathique, c'est pas loin de Tuléa. On quitte avec la RN7 et à un certain moment il y a une bifurcation pour aller à Saint-Augustin, pour aller au tropique de Capricorne. Donc il faut juste prendre ça et en tout et pour tout on est à 15 km de l'aéroport environ. Si on quitte Tuléa, à partir de la ville, on est à peu près à 25 km. Donc voilà, la piste est assez c'est praticable.
mais on ne peut pas, quand même pas rouler très vite. C'est pour ça que pour les 15 km, il faut compter à peu près 40 minutes, 3 quarts d'heure. Voilà. Et c'est pas compliqué, c'est quelque chose de très simple, agréable. Et l'endroit ici, ben voilà, trouver une plage où vous êtes quasi seul sur des centaines et dans centaines de mètres, vous n'en trouvez pas beaucoup au monde. Et ici, c'est possible. Là, je marche presque 20 minutes. Et j'ai pas croisé beaucoup de personnes. J'en ai croisé quelques-unes. Mais pas beaucoup. Donc, ce sont des clients de l'hôtel, ce sont des gens du village. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup. C'est pas comme dans certains endroits où il faut vraiment chercher chaque mètre carré pour pouvoir poser sa serviette. Ici, on peut poser sa serviette.